Une nouvelle Snapshot, la 21W18A, est sortie. Eh bien, donc il va falloir la tester. C'est parti! Donc j'ai déjà relancé le monde, un nouveau monde en fait par rapport à la dernière partie que je vous ai montré, le dernier Let's Play. Là je suis sur un nouveau monde que j'ai créé pour tenter de voir si il y avait la possibilité de visualiser les histoires de grottes en forme de nouilles, spaghetti, ça s'appelle. Et en fait, en lisant bien les informations, ben, je me suis rendu compte que c'était valable. Enfin, ça fonctionnait que si on rajoutait un pack spécifique, ce que je n'ai pas envie de faire sur mon ordinateur. Donc, je passe ce problème-là. Alors, cette nouvelle snapshot, dans ses particularités, eh bien, écoutez, il y a encore quelque chose autour du minerai, mais autour de la disposition et de la rareté des minerais. Je vous montrerai un petit peu plus tard quand je partirai sur cet élément-là. L'image qui a été diffusée et qu'on retrouve. Et puis, il y a un truc autour des chèvres hurlantes et des chèvres. Alors, ça me fait un peu rire. Et comme ce sont des animaux qui sont très peu documentés pour l'instant dans le wiki de Minecraft, eh ben, je me suis dit que j'allais aller faire un tour, une tentative de découverte de ces créatures par là-haut, là. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, hein, j'ai un personnage qui a un équipement plutôt bien foutu. Je suis parfaitement équipé. Et tout ça, bah, en fait, en faisant évoluer mes villageois dans trois villages différents. Il y en a un ici, c'est le village principal. Vous voyez où je suis en train de monter une tour colorée avec de l'élevage. Enfin bon, tout ce qu'il faut pour faire évoluer correctement un village. J'en ai un deuxième village par là-bas. Enfin, j'en ai plusieurs par là-bas, et puis j'en ai encore un autre qui doit être dans ce secteur-là, et un autre par là-bas. Et j'ai ma petite maison d'apparition qui se retrouve par là-bas. Je ne sais pas si on la verra dans cet épisode-là. Là, l'épisode étant plutôt dirigé vers, un, les chèvres qui se trouvent dans les zones enneigées comme ici, et puis deux, si j'ai la possibilité, le minerai et sa nouvelle... disposition. Qui c'est que je vois là-bas? Une petite sorcière. Alors, on va tenter de faire le sniper. Ouais, bah ouais, ça commence mal. Ça y est, c'est parti. Bah oui, t'es gentil, balance, balance. Oh, mais je suis vraiment à chier aujourd'hui. Voilà. Allez, c'est parti. Ah oui, vous avez vu mon épée. Mon épée qui est légèrement en netherite. J'ai eu la chance de tomber sur un... Ah ouais, faudrait que je vous fasse un épisode là-dessus. Pas un donjon, mais je suis tombé sur... Ah zut! Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, en explorant, j'ai réussi à trouver un coffre bien protégé. Bien protégé parce que je suis mort deux fois, je crois. Mais dans ce coffre, il y avait un bloc de netherite, et donc j'ai dû faire un choix, savoir ce que j'allais faire évoluer en netherite. Et je me suis dit que l'épée, c'était peut-être le meilleur truc. Mais en attendant, passons à autre chose, à savoir la recherche de ces chèvres.
Voilà, tout à l'heure, je vous parlais d'autres villages. Donc, en voici un autre. On est parti de derrière, là-bas. Là, ouais, j'aurais pu mettre des feux. Je vais en mettre un ici pour se repérer. Donc, j'ai un village ici. C'est un petit village, ça. Et puis, derrière, là, ça poursuit. Il y a un autre village plus loin, là-bas, derrière. Un peu mieux. Un peu plus évolué. Mieux, je ne sais pas, mais un peu plus évolué, ça, c'est certain. Hop, allez, on va mettre un feu de camp ici. Et donc, pour l'instant, on n'a rien trouvé dans ces montagnes-là, si ce n'est du minerai. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas passer la nuit ici, mais je vais aller par là-bas. Et je retombe sur un village, oui, ouais, si. Un village que j'ai déjà visité parce que je retrouve une torche ici, donc ça veut dire que j'ai marqué le chemin pour y accéder. Et pour l'instant, mais toujours pas de présence de chèvres, alors que j'ai l'impression, toute la partie là qui concerne les zones enneigées. Bon, je vais continuer à poursuivre, encore en accéléré, pour essayer de trouver une zone où on va retrouver ces satanées chèvres, s'il y en a dans le secteur. À défaut de trouver des chèvres, je trouve des lamas. Mais c'est pas ce que je cherche. Ah bah voilà quoi. Ok, bah me voilà arrivé à l'autre village que j'ai fait un petit peu évoluer. Comme vous pouvez le voir, hein, ici il y a ce qu'il faut pour l'élevage et en bas il y a plusieurs emplacements avec un cartographe, un archer, enfin oui c'est ça. Tout là-bas je crois qu'il y a... Ah oui, il y a même mes animaux, oui. J'ai un mulet et un cheval là-bas qui m'attendent. Bon, et eh bien malheureusement, je n'ai pas trouvé de chèvre. Alors, je vais faire une grosse ellipse.
C'est-à-dire, je vais m'arrêter d'enregistrer ça. Et puis, je vais tenter de chercher ailleurs que dans cette zone, parce que donc ça, c'était la zone la plus proche de mes lieux de vie. Mais après, vous voyez, c'est plutôt biome savane, désert. Peut-être que par là-bas, il y aurait encore autre chose. Mais là, vous l'avez vu, hein, je suis plutôt entouré de biomes qui ne correspondent pas spécialement. Il me faudrait un biome du Grand Nord. Mais ça, je n'ai pas. Donc, écoutez, pour l'instant, je m'arrête là pour la vidéo. Et puis, on se retrouve dès que j'ai avancé dans mes recherches. Alors que la nuit est en train de tomber, j'ai enfin trouvé une chèvre. Alors, il a fallu aller se promener, créer un... Je suis parti vraiment tout à l'est. Bon, vous voyez, hein, la chèvre est là-bas. Et cette chèvre a la particularité, donc, si vous ne bougez pas pendant un certain temps, de vous foncer dessus. Voilà, merci de montrer. Enfin, je sais même pas uniquement de pas bouger, parce que là, je bougeais, donc... Bref. Elle me fonce dessus, et donc c'est pour ça que j'ai calmé les animaux. Hein, vous avez vu mes trois chiens qui me suivent habituellement. Parce que sinon, bah, ils attaquent, et puis ils vont tuer cette pauvre petite bête. Et alors, en cherchant bien, eh ben, je suis tombé, regardez, ici, tout en bas. On dirait bien un bébé chèvre, un chevreau. On peut pas être tranquille hein, la nuit. Bon, ils sont pas bien violents, pas bien dangereux. Alors, je ne sais pas si je peux sortir. Si son problème c'est ça, on dirait. Oui. Oh, c'est mignon ce petit cri. Donc voilà, trouver enfin. Alors, ce ne sont pas des chèvres hurleuses, je pense pas. Parce qu'elles n'ont pas la particularité de hurler spécialement. Je vais aller retrouver l'autre qui est là-bas. Voilà. Et je ne sais pas du tout si on peut leur donner à manger. C'est vraiment un mob qui est très peu encore documenté. Très, très peu documenté, donc je ne sais pas du tout s'il faut leur donner quelque chose, si on peut interagir avec. Je vais essayer avec un rocher. Non, j'ai peur de la frapper et que mes chiens se mettent dessus. Boule de neige non. Ça, c'est pas l'impression. Hein. Bon, et ben voilà, au moins on l'a trouvé. Et c'était ça le plus important. Alors j'ai dû m'éloigner beaucoup de mon terrain de jeu habituel. Mais c'est trouvé, c'était quand même l'objectif de cette vidéo. Voilà. Maintenant je m'en vais me retourner dans mon petit pied-à-terre. Si je me plante pas, il est par ici. Voilà, là-bas. Et puis, juste là, en plein jour, il y a une ruche et j'aimerais bien pouvoir refaire un... Voir si on peut, à nouveau comme auparavant, faire une ruche, la déplacer, éventuellement la rapprocher. La rapprocher de mon secteur, là. Et puis comme vous pouvez le voir, j'ai aussi activé, donc réparé et activé un portail ici. J'ai une mine, une cave ici à aller visiter. Enfin voilà, donc encore pas mal de choses, mais ça sera peut-être pour un épisode suivant, ou pas du tout, c'est-à-dire que juste pour une suite, moi je vais continuer à jouer avec cette partie-là. Oui, vous avez remarqué. J'ai un petit souci avec
les Illageois qui sont venus m'embêter et qui malheureusement bah, n'ont pas résisté aux attaques. Donc voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Donc sur cette nouvelle snapshot, hein, à part les éléments. Oh, j'adore ça quand elle vient de se promener là à côté de moi. À part donc la chèvre qu'on a retrouvée, ainsi que. Ah oui, carrément, je peux l'enfermer. Hop là. La chèvre, disais-je, et donc les minerais qui ont été replacés. Je vous mettrai l'image diffusée à ce sujet. Et puis, voilà les éléments que j'ai eus et la petite vidéo que j'ai faite. Je vous mets les éléments dans la description et je vous dis à bientôt. Salut !